Ça, c'est le programme minimum. Ouais, ça, c'est le programme minimum. On peut pas faire moins. Après moins... Bon, ouais. J'ai commencé par être intéressé par chanter. Donc, au début, j'ai commencé par un groupe de rock. Mais il fallait avoir du matériel, il fallait être libre en même temps, donc c'était très compliqué. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça pourrait être intéressant parce que c'est petit, c'est pas trop lourd, et ça permet d'être indépendant, on peut aller où on veut et être entièrement autonome. D'accord. Voilà. Merci d'avance. Mais vous avez tout bien reçu, il n'y a pas de problème. Vous... Mais je le fais suivre. Merci d'avance. Là, la IMM s'occupe de la musique mécanique, mais plutôt le côté exposition à l'intérieur ou dans le cadre de fêtes, comme ici. Donc c'est un regroupement d'orgues qui est prévu, donc c'est quelque chose qui est organisé. Alors que Ritournelle et Manivelle, c'est une chose qui a été créée pour gérer l'activité des musiciens et des chanteurs de rue, mais qui sont indépendants et qui travaillent parfois là où on les attend pas. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hop. Là. Maison de fou. Sa lumière toujours. Donc pour chercher sa lumière, on est obligé de voyager.
Donc bon, bah, j'ai fait pas mal de bouts de chemin, puis je suis arrivée à Paris, puis Paris, bah, voilà. La première chanson que j'ai chantée, c'est La Complainte de la Butte. Donc je suis allée en haut des escaliers, puis j'ai chanté toute seule. Pour les oiseaux, ils sont pas partis. Hein, à un moment donné, c'est plus fort que soi, même quand on chante pas bien. Donc, Et vous chantez ? Nous ne sommes pas aimés, des bons bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir pour être à leur goût un bon faucon et un chapeau mou. Donc il s'appelle Titorgue Bleu. Il a un nom. Hein. Quand on a des petites bourses, il faut faire des économies parce que c'est cher. Mais pour le travail que c'est, non. Il y a des choses qu'on achète plus cher et qui ne donnent pas les mêmes joies ni le même bonheur. Donc voilà. Il n'y a pas de semaine typique. J'ai fait les marchés déjà, quand il fait beau, les petites rues. Je fais un petit bout de banlieue dans les cités, parce qu'il n'y a rien. C'est triste. D'abord, ils sont étonnés, parce qu'ils ne connaissent pas. Bon, il y a les petits, vous cherchez les petits frères, et puis c'est magique pour eux. Des trous et de l'air qui font de la musique. Et la dernière fois qu'on a chanté dans les rues avec Arnaud, il y a une petite voix qui est sortie d'une boîte aux lettres et qui disait « Madame, madame, venez !» Donc j'appelle Arnaud qui arrive avec son orgue à lui et il y avait quatre petits yeux derrière la boîte aux lettres. C'était deux petits enfants et ils ont écouté, ils l'ont regardé par la boîte aux lettres. Et donc il y a eu 5 adhésions et 2 renouvellements. À Paris, on n'est plus très nombreux à le faire, finalement, parce qu'il y a eu des problèmes avec la police. Ça a toujours été interdit. La police, quand elle passe, il y a quelques agents qui verbalisaient et qui en plus disaient « la prochaine fois qu'on vous voit là, on vous embarque votre matériel ». Alors, encore, camarade. Oui, ça va. La culture de rue ne dépend pas du ministère de la Culture, mais dépend entièrement de la police. Donc nous, on est tout ce qui est artiste de rue est considéré comme quelque chose qu'il faut encadrer et n'est pas du tout valorisé pour le côté artistique, mais on est au contraire freiné de manière répressive. Ça a toujours été comme ça. C'était pareil pour les gens qui faisaient du théâtre de rue, et même quand on remonte très très loin, à l'époque de la royauté en France, il y avait la troupe officielle du roi, et puis toutes les autres troupes étaient interdites, parce que dans ce qu'elles pouvaient dire, il y a des choses qui pouvaient aller à l'encontre de ce que faisait le gouvernement en place, ou le pouvoir en place. Leurs chansons
chanson court encore dans les rues. Leur âme légère, c'est leur chanson qui rend gaie, qui rend triste. Fils et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds,